le vent de verre. Je crois qu'on va Si je vous ai réunis ce soir, c'est pour vous préparer d'une décision prise. J'aurai une cinquième femme dans quelques jours. Ah non. Coucou Nyadi Fobeladji. Tu voulais faire quoi, Sa Majesté? Avoir une cinquième femme dans cette maison? J'en ai assez. Cette fois-ci, ce serait sur ma tombe. Je suis fatigué. Quelle cinquième femme? Je me retire. Ah non, hein? Tais-toi, j'étais là en bas, toi. Et puis, c'est parce que je suis belle, non? Laissez-vous là-bas, même chose. Oh, tais-toi. Comment vous faites? Excusez. Oui, entrez. Oh, c'est vous, marraine? Oui. Bienvenue, marraine. Merci. Comment vous allez? Je vais bien. Prenez place, marraine. Vous venez me voir, marraine. Je suis venue ici pour vous annoncer une nouvelle qui ne m'a pas du tout plu. Hier soir, le roi nous avait appelé en nous disant que c'est comme ça qu'il aimerait épouser une cinquième femme à l'âge de 12 ans, la petite Awa, qui vient puiser souvent de l'eau à votre devanture. Je reconnais vraiment cette fille. Sincèrement, cette nouvelle ne m'a pas plu. Notre roi dépasse trop les limites dans ce village. Je ne savais même plus comment faire. C'est pourquoi je suis venue. Il exagère trop dans ses propos. Donc faites quelque chose. Je ne peux plus supporter. Calmez-vous. Faites quelque chose, sincèrement. Je vais devoir vous laisser. J'aime pas assez de temps. Ok. Mes amis, vous savez une chose? Hier soir, la reine est venue me voir chez moi. Vous savez ce qu'elle était venue me dire? Non. Que le roi, Sa Majesté, compte épouser une nouvelle femme dans ce village. Dans ce village? Oui, dans ce village. Et pire encore, une fille de 12 ans qui n'a même pas l'âge de sa Benjamin. Attendez, tu dis quoi, moi? Koujouka 3, Adopo, doucement. Tu veux me dire que la reine est venue chez toi? Oui. Te dire que c'est comme ça, le roi veut prendre encore. Qu'est-ce que tu entends? Tu entends quoi? Et qu'est-ce qu'on va faire dans tout ça là? Qu'est-ce qu'on va faire? Une solution. On t'a dit ça. Mais qu'est-ce que tu t'as dit? Écoutez. Je l'ai dit de s'en aller, je vais trouver une solution à ce problème. Mais maintenant, tu as quelle solution? Si tu comprends, ben, c'est pour la solution que tu nous as appelé. Oui. Sinon, si c'est moi, il peut me désosser. Hein. Je refuse d'être encore notable. Il peut... Sinon, moi, je n'aime pas ça. C'est... Votre roi là-même, il va voir. Mais ce qu'il fait dans ce village, ce n'est pas bon. Hein. Ah non, il va voir. Il va voir. Calmez-vous. Il va voir vite une solution à ce problème. Oui. Maintenant, tu penses quoi? Vous savez? Non. Lorsqu'il nous appellera pour nous annoncer cette nouvelle, nous devons tous se réfugier. Comment on peut accepter ça? C'est la solution. Gazo, calme-toi. Je trouverai une solution à ce problème. Deux femmes si, chez toi. Si la lettre est ici, si, calme-toi. Tu t'en charges. Je ne dis plus rien. Tu t'en charges. Majesté, que nous vaut l'honneur de cette assise? Es-tu pressé? Oh non, Majesté. Si je vous ai réuni ce matin, c'est pour vous faire part d'une décision prise. J'aurai une cinquième femme dans quelques jours. Quoi? Dans ce village? Majesté, on ne va pas accepter cela. Le table gazou. Oui, Majesté. Ne m'énerve pas. Majesté, vous voulez au... Vous ne voulez pas au Majesté. Votre décision... C'est la nôtre. Hein, trop, c'est trop dans ce village. Mais qu'est-ce que... Vous êtes un roi mesquin, un dictateur, un bandit de ce village. Vous me connaissez? Vous trouvez des hypocrites. Je dis, le gars, il a... Tu as quoi? Qu'est-ce qu'on s'était dit? Qui? Pourquoi tu es contre le roi? Respectez le roi. Oh, c'est quoi? Le roi veut épouser la petite là. C'est ton problème. Si tu n'as pas femme, c'est le roi tu vas accuser. Gazo, tu as quoi là-bas? Je m'en vais. Attends. Restez avec votre roi. Et tu as quoi? Merde. Tu as quoi? Laissez-moi. Je m'en vais. Oh, allez-y. Le roi a pris ma version, j'ai refusé. Oh. Tchikoli. Yay. Tchikoli. Ah.
ici là. Tu sais, voilà. Si je t'ai appelé aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin de toi. Hein? Écoute bien, le roi de ce village a dépassé les limites. Hier soir, lors de la réunion des notables, on s'était conclu de monter un certain groupe de gens pour l'empêcher de réaliser ses ambitions. Il veut encore épouser une cinquième femme. Calme-toi. Ça n'arrivera pas. Calme-toi. De ce pas, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller mobiliser les jeunes du village. Je pars tout de suite. Immédiatement, vous allez vous préparer. C'est une loi. Déloger ce roi. Non, faut. Immédiatement, dépêche-toi. L'heure est grave. Dépêche-toi. Où est Mota? C'est ça, prends ça par terre, n'oublie pas ça. Jobway! 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 Voilà! Non! C'est trop! Ouais. N'est-ce pas? Yeah. Oui. Voilà, notable, faut parler. Voilà. Vous savez, si j'ai demandé qu'on vous réunisse aujourd'hui, yes, c'est parce que l'heure est grave. Jobway! Hey. Le roi, notre majesté, a dépassé les limites. Hey. Ça, c'est ça, c'est vrai! Regardez! C'est la petite Yawa. La petite Yawa que ma fille! Ma fille! Ma fille! Vous savez, ma fille! On va les détrôner aujourd'hui! Jobway! Dans ce village! Jobway! Jobway! Allons détrôner le roi! Bobo! Jobway! 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 Je suis derrière vous. Merci à vous. Merci. Je remercie encore notable Tagbadja pour ce qu'il a fait. Je le remercie pour son courage et sa détermination. C'est pour cela, au nom des anges qui gouvernent notre village et au nom de la population, nous nommons notable Tagbadja comme roi de notre village.